Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de quatre petites succulentes, donc on va faire leur entretien. Je vais vous parler un tout petit peu d'elles et puis après on va faire ce qu'il faut pour qu'elles aillent mieux, pour qu'elles soient plus belles, enfin bref, pour les entretenir. Je voulais vous faire une vidéo avec plus de plantes, mais je me dis que les vidéos vont être bien trop longues. Donc du coup, je pense vous faire une bonne série d'entretiens de plantes succulentes. Et selon les plantes, entre 2 et 4 plantes par vidéo. Du coup, ça vous permettra de voir pas mal les soucis que l'on peut rencontrer, enfin du moins ceux que moi je rencontre. Et si jamais ça peut identifier vos problèmes, ça peut être sympa. Ensuite, je voulais pas faire une vidéo trop longue parce que si jamais vous avez une plante que vous voulez identifier par exemple, je trouve que ça va être compliqué. Donc du coup, je vais vous faire beaucoup de vidéos entretien succulentes. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Donc là aujourd'hui on va s'occuper de mes deux petits crassulas qui ont pris cher après la floraison, de ma Graptoveria Alfred Baines et de mon Sedum palmeri. Voilà, qui avait sa floraison est terminée. Du coup maintenant il faut le nettoyer et puis bon, on sort de l'hiver donc c'est le moment d'entretenir un petit peu les plantes. Donc du coup j'en ai profité en fait pour faire les étiquettes de mes succulentes. Donc au début c'était marqué au feutre et il y en a énormément qui se sont effacées au soleil. Donc du coup il y a plein de noms que j'ai perdus, donc je vais essayer de les retrouver au fur et à mesure. Donc maintenant je trouve que cette solution là elle est vraiment pas mal, ça tient bien. Je n'ai pas encore passé d'été avec, donc je ne sais pas si ça va tenir l'été, mais en tout cas l'hiver ça tient super. Donc voilà, ce sont des étiquettes avec Madimo que je mets sur des étiquettes en plastique. Ça marche très bien si jamais ça intéresse quelqu'un. J'ai testé et je valide. Et pour terminer, on va pailler les succulentes, comme ça je saurai où j'en suis en fait, parce que j'en ai tellement que ça va être dur. Je ne sais même pas si je vais réussir à toutes les entretenir avant. On verra, je vais faire de mon mieux, de toute façon vous allez suivre tout ça avec moi. Donc maintenant je vous rapproche pour que vous ayez un petit peu plus de visibilité sur les plantes et de ce que je fais et de ce qu'il faut faire. Alors on va commencer par le Sedum palmeri, donc voilà l'étiquette, voilà ce que ça donne. Le Sedum palmeri, c'est la plante la plus facile du monde, c'est la succulente la plus facile du monde. Très rustique, vous pouvez la laisser à l'extérieur sans protection, il n'y a pas de problème. Là, elle m'a fait une floraison qui est terminée. Maintenant, il faut nettoyer. Et puis, regardez, toutes les feuilles là, il faut nettoyer. C'est une plante qui a tendance, en fait, plus on va la laisser pousser, retomber. Je la trouve très très belle. L'été, elle est verte. Et l'hiver, elle est très très rouge. C'est vraiment la plante facile, vraiment la plante pour débutants en succulente qui ne risque strictement rien. Elle est en pot en plastique et elle s'y trouve très bien, donc je vais la laisser en pot en plastique. Donc déjà, on va commencer par couper les fleurs fanées. On y verra déjà un petit peu plus clair. Elle a meilleure mine. Ensuite, on va enlever toutes les feuilles mortes qui se sont déposées sur le substrat. Donc plus simple, on fait comme ça. Et si jamais demain vous arrivez à la faire pourrir, ce qui est dur quand même, franchement, c'est dur. C'est une plante qui va faire du bois à ce niveau-là, mais du coup, ça ne va pas pourrir entièrement. Donc il suffira en fait simplement de venir couper la tige, en fait, là où elle est saine. Je vous avais déjà fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, sur les plantes succulentes sur le point de mourir, comment les sauver, et de la replanter directement dans la terre. Rien de plus. D'ailleurs, c'est sa façon à elle de se bouturer. Donc là, j'ai une rosette qui est tombée. Allez, là, on coupe la base, juste pour que ce soit sain. Logiquement, il devrait y avoir des départs sur la tige. Donc c'est la bouture sur tige, et j'adore ça, en fait, ça donne des effets comme ça. Voilà. Et cette petite rosette, en fait, on va simplement venir la mettre dans la terre. Et avec un peu de chance, elle devrait repartir rapidement. D'ailleurs, celle-ci aussi, je pense que c'est dû à un... Il y a eu des grosses pluies, donc du coup, vous voyez, ça a cassé la tête. Pour celle-ci, je vais faire pareil. Donc, je vais venir la couper. Vous voyez, la base, elle est un petit peu pourrie, mais rien de grave. On va couper jusque ce soit sain.
Voilà, parfait. Là, c'est vert. Et l'autre petite rosette, on met dans le terreau. Et là, maintenant, ce que je voulais faire, je voulais la pailler. Donc, celle-ci, je les mettrai après le paillage, ce sera plus simple. Donc là, je mets de la pozzolane rouge en petit calibre. J'aimerais bien en trouver de la noire aussi, ça peut être sympa. Voilà, le paillage donc va protéger le terreau. Celle-ci, j'ai pas besoin de la rempoter parce que franchement, le substrat, il est pas mal du tout. On va pas l'embêter. Et dans quelques temps, j'attends que le temps encore se réchauffe parce que depuis le début du printemps, j'ai pu les arroser qu'une seule fois. Et au prochain arrosage, je mettrai un petit peu d'engrais pour les plantes qui n'ont pas été rempotées. Donc, on replace la petite rosette. L'étiquette. Et voilà. C'est mieux, non ? Maintenant, c'est au tour de la Graptoveria Alfred Baines. Alors, regardez-moi cette merveille. Alors, toutes les taches que vous voyez, en fait, ce sont des taches de froid. Elles ne supportent pas trop bien l'hiver. J'espère qu'au fur et à mesure, en fait, elle va s'habituer aux hivers. Donc, pour celle-ci, je vais venir nettoyer donc les feuilles qui sont tombées là, tout simplement. Hop là. Voilà, parfait. Elle se porte très bien dans un pot en terre cuite, donc je vais la laisser. Ce que je vais faire, c'est que vous voyez ce que je vous dis à chaque fois, que le terreau a tendance à se tasser. Voilà, le pot, regardez, il manque tout ça de terre, alors que je l'ai rempli à ras-bord. Donc là, ce que je vais faire, je vais simplement rajouter un petit peu de terreau, parce que la plante a été rempotée l'année dernière, le substrat, il est vraiment pas mal. Donc, pas besoin de venir la rempoter entièrement. Et je pense qu'elle va me faire des petites fleurs. Alors, une là et une là. Parce que les pousses, en général, sur ce genre de plantes, se font sur les troncs. Est-ce que vous voyez le... Voilà. Donc, celle-ci aussi supporte très bien le soleil. Donc, on peut la laisser toute l'année au soleil. Elle est quand même robuste. Elle est robuste, elle a eu des attaques de cochenille, elle a même été mangée par les limaces. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de feuilles, c'est parce qu'elle a été mangée par les limaces. Et il y a aussi les dégâts dus à l'hiver. Donc on rajoute un petit peu de terreau. On tasse un peu, de toute façon... Ça va se tasser tout seul au fur et à mesure des arrosages. Cette feuille-là va grandir, va s'abîmer et elle va tomber toute seule. Et là, regardez, elle est vraiment en croissance. On voit toutes les nouvelles feuilles qui poussent et qui sont très saines. Ensuite, je vais la pailler. Je vais la pailler avec les graviers d'aquarium. Je sais, vous m'avez dit que c'était toxique pour les poissons. Mais pour les plantes, non. Hein. C'est bon, ça risque rien quand même. Ça stagne pas constamment dans l'eau, donc il n'y a pas de problème. Et puis le rose va faire ressortir la couleur de la plante. Ça va être super joli. Vous voyez, c'est déjà mieux. Super. L'étiquette. Et c'est parti jusqu'à l'année prochaine. Ensuite, on arrive à ces deux petites crassulas. Alors, je n'ai pas les noms. Si je les retrouve, je vous les mettrai à l'écran. Sinon, dites-le moi en commentaire. Je m'empresserai de mettre les étiquettes à mes plantes. Comme ça, ça ne me posera plus de problème. Alors, moi, avec ce genre de plantes, j'ai beaucoup de problèmes. J'ai des problèmes l'été parce que je ne les arrose pas assez. Pourtant, j'arrose mes plantes tous les 2-3 jours. J'ai des problèmes l'hiver parce qu'après la floraison, elles meurent. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauver ce qu'on peut. Et ensuite, on va la bouturer tout simplement. Donc là, on coupe l'arborescence. Là, il n'y a plus rien à sauver. Et là, ben, du coup, il n'y a plus que ça à sauver, quoi. Et là, pareil, on va couper à ce niveau-là. Voilà, c'est bien sain. Donc tout le reste, on peut jeter. Et regardez le joli système racinaire qu'elle avait fait quand même. Nickel. Et le terreau, regardez, il n'est pas mauvais du tout. Il s'effrite encore. Super.
Donc on va utiliser les mêmes pots. Pour le bouturage de ces plantes, il n'y a rien de plus simple. Déjà, on va venir nettoyer la base. Ça, ce sont les feuilles, en fait, ces feuilles-là, ces doubles feuilles qui ont complètement séché. Donc on enlève. C'est pas facile d'ailleurs, c'est bien dur. Celle-ci, on va l'enlever aussi. Et celle-ci aussi, parce qu'il manque la double feuille. Du coup, ça va laisser pas mal de place à la plante pour faire des racines. Et celle-ci, ben, du coup, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, ce sont le genre de plantes, du moins, je n'ai jamais réussi à les bouturer à partir d'une feuille. J'ai essayé de séparer les feuilles, en fait, et de les mettre sur de la terre, ça n'a jamais pris. Donc, il faut absolument la tige. Je vais mettre du paillage sur celle-ci aussi. Je vais mettre de la pozzolane, ça sera plus joli. Et quand on met avant de bouturer, c'est beaucoup plus facile. Du coup, installer. Donc celle-ci, on vient simplement la poser. Il suffit juste qu'elle tienne debout, rien de plus. Et celle-ci, pareil. Et voilà, il n'y a plus qu'à les remettre en place. Donc voilà, ça sera tout pour cette petite dame. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo entretien. J'espère que ce format vous a plu. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.